Bienvenue de Midagidere, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dylan Suess, Product Genius pour BMW Mini Grégoire. Eerst en vooral wil ik jullie van harte feliciteren met een geweldige keuze voor deze fantastische wagens. Comme vous l'avez déjà appris par Caroline Tetgat, le grand moment arrive. Aanstaande maandag 31 mei hebben wij het plezier om jullie te verwelkomen in onze concessie te Jetten. Lundi, nous allons livrer le premier série 1 et le premier Countryman. U wilt ze natuurlijk graag zo snel mogelijk ontdekken. Bij deze, hier zijn ze. Bij deze gaan we jullie dan de Mini Countryman SE uitleggen. We zullen beginnen hier aan de deur. Heeft hij de comfort access, heel gemakkelijk, sleutel in de hand houden of in de broekzak, kan u zowel de deuren open als toe doen. Wat heel leuk is aan deze wagen, c'est l'accès confort pour le coffre. On n'a pas besoin de la clé, on peut la mettre dans le coche et juste ouvrir le coffre dès qu'il y a la clé autour du coffre. Dans le coffre, on a toujours le câble pour charger. Ceci, c'est le câble de recharge pour à la maison qu'on met dans la prise. Vous allez le dire gordon. Steeds eerst de kabel in, het stopcontact steken en dan pas in de wagen. Ziezo. Hier is de laadklep. Natuurlijk moet de wagen open zijn. En zo. De kabel kan er maar op één manier in. Juist met de kabel dedans. En vous allez voir qu'il va changer de couleur et il va activer à charger. Juste pour enlever, la même chose, juste retirer d'abord du véhicule, ouvrir pour enlever, et voilà. On va commencer avec l'intérieur du véhicule. À la porte, on trouve tout ce qui est rétro, fenêtre, pour ouvrir le cap du carburant et pour le coffre. On peut ouvrir et fermer le coffre par la porte. Hier, de knop voor de spiegels automatisch in en uit laten klappen. Rechterspiegel, linkerspiegel aanpassen. Et les fenêtres devant, derrière et verrouiller ou débrouiller les fenêtres derrière. Verrouiller et débrouiller la porte à l'intérieur. Je vais vous prendre à l'intérieur du véhicule. Suivez-moi. Voor te beginnen, altijd hier op de start-stopknop duwen. Zo gaat het scherm geactiveerd worden. Le côté gauche, tout ce qui est cruise control, limitateur de vitesse, augmenter et diminuer la vitesse. Aussi pour le clignotant, vous avez de ce côté gauche. Aan de rechterkant bevindt zich alles in verband met het geluid, opnemen van de telefoon of het dicteren van een adres bijvoorbeeld. Minder en meer volume en de knopjes voor aan te passen van muziekzender. Ook aan deze kant alles in verband met de ruitenwissers, zowel vooraan als achteraan. Ici, vous avez l'écran principal. Donc, le menu principal, d'abord, vous avez le menu de médias radio. Si vous appuyez dessus, vous retournez dans toutes les chaînes de radio. Ce que vous pouvez faire aussi, ici, vous avez le bouton médias et vous retournez aussi au même niveau qu'ici. Le deuxième partie, c'est la communication qui se trouve ici. Communication, tout ce qui est votre téléphone. Hier vindt u dan alles in verband met de contacten of het telefoontoestel dat u wilt koppelen. Heel gemakkelijk kan u gewoon hier dan naar Gérer appareil mobiel gaan, dus een nieuw toestel connecteren en dan kan u een nieuw toestel connecteren. Pour retourner, vous prenez juste le joystick et vous le tournez à gauche. La troisième, c'est la navigation. Donc navigation, vraiment simple. Ici, entrée adresse et là vous avez d'abord dès que vous cliquez dessus, ici, la ville, la rue ou le numéro que vous pouvez appuyer. Zodra u dit allemaal heeft ingevuld, komt u direct op de knop démarrer guidage of de routebegeleiding starten. Zodra u daarop duwt, komt hij direct op de map.
Appuyez sur le bouton menu pour retourner de nouveau au menu principal, mini. Tout ce qui est réglage se trouve ici. Donc les réglages du véhicule, comme vous pouvez configurer le Max eDrive, l'éclairage, les portes, la sécurité intelligente, l'éclairage, comme l'éclairage intérieur. De wagen heeft dan ook binnenverlichting die u dan hier kan volledig aanpassen naar gelang u wilt voor helderheid. Ook de verlichting van kleur laten veranderen kan u via deze knop heel makkelijk gewoon veranderen van kleur. Alors, le reste des réglages comme le réglage du système, tout simple. Ici, les appareils mobiles qu'on peut encore une fois régler, la langue, les écrans, date et heure, unité, la tonalité, donc tous les échanges qu'on peut faire ici. We hebben ook de menu principal die we kunnen volledig aanpassen. Als we daarop duwen, gaat u zien bij My Mini, staat er nu het display van de computer die simpel is, die kan u ook laten aanpassen en dan wordt die zoals aangegeven op het symbooltje. Hetzelfde bij Mini Connected, gaat u nu inderdaad het weer zien dat u kan aanpassen. Of als u liever hebt dat u het journaal heeft, dan kan u daar alle nieuwsberichten bekijken. On peut encore aussi planifier la recherche et la climatisation. Donc on peut prendre une horaire entre quelle heure elle peut charger. On peut dire dès qu'on met la prise dedans qu'elle va recharger immédiatement. Si jamais vous voulez prendre une heure, on va dire entre 10 et 6. Là, vous pouvez cliquer ici sur recharger au tarif heure planifié et puis flash horaire. Alors, My Mini Country Timer, là vous pouvez faire un timing de votre conduite quand vous voulez. Er zijn ook meerdere bestuurdersprofielen die u kan aanpassen. Naar gelang de bestuurder Nederlandstalig of Franstalig is, kan u meerdere conducteuren instellen en meerdere bestuurders. Waardoor ook bijvoorbeeld de taal en de instelling die zijn opgeslagen per bestuurder direct worden aangepast. Ici vous pouvez aussi alors trouver le statut du véhicule. Découvrir la technologie comme la e-drive, le conseil de green et l'affichage de sport. Hier hebben we dan ook nog de informatie van de boorddisplays die we kunnen aanpassen, naar gelang bijvoorbeeld de helderheid die daar kan aangepast worden of de informatie die op het scherm komt. Et on a aussi les notices d'utilisation. Vraiment simple, juste qu'on peut faire ici recherche par image. Si jamais il y a un bouton à l'intérieur du véhicule ou à l'extérieur que vous ne savez plus, vous pouvez vraiment retourner dans le véhicule, comme vous voyez ici le 7, c'est habitacle. Et là, vous pouvez regarder dans le véhicule chaque bouton qui est exposé. En dan keren we terug naar het volledige menu. Bij menu kan u hier dan naar de applicaties. Bij de applicaties heeft u dan de Mini Assistance, de berichten van Mini of het weer, zoals we daar straks hadden gezien. Het weer geeft hij dan inderdaad aan waar de wagen gestationeerd is. En dan gedurende de volgende periodes. Vous pouvez aussi changer la localisation pour la météo par ce bouton ici. En dessous, ici, tout se trouve qui est radio et son. Donc ici, pour l'infotrafic, chaque demi-heure et chaque heure, les chaînes de radio vont donner plus d'infos du trafic. Ça, vous pouvez déactiver ou activer. Op de knop mode kan u heel gemakkelijk gewoon wisselen van uw gsm-toestel naar de radiozender, zowel DAB, FM, AM, naar gelang u zelf wilt. U heeft ook hier de opties voor iets op te slaan. En dessous, on a tout ce qui est climatisation, moins chaud, plus chaud, le côté gauche, le côté droite, moins fort et plus fort. Si vous tournez tout à fait à gauche, vous allez voir qu'il va déactiver la climatisation. Ce bouton-ci, c'est pour la vitre devant et la vitre arrière. Op deze knop komen we heel gemakkelijk voor de luchtfiltratie binnen de wagen te houden, de airco en de maximum airco. Deze knop is dan voor de parkeersensoren te laten activeren. Van zodra je de wagen ook in achteruit zet, gaan de sensoren automatisch aanspringen. On a alors le e-drive. E-drive, car le véhicule, il est électrique. Semi-électrique, on peut alors sauver la batterie par appuyer ici dessus. Alors vous allez voir trois différentes étapes comme le battery control,
le Max eDrive et plusieurs autres choses. Deze knop startknop voor de wagen te doen starten. De knop voor de tractie, van zodra dat u voelt dat de wagen niet genoeg bijvoorbeeld kracht heeft, kan u deze afzetten als het enorm gesneeuwd heeft en dan gaat de wagen ook extra tractie geven. Et alors, les plusieurs modes de conduite. Vous avez ici convoyé sport et green. Entre-temps, il y a aussi moyen et ça, c'est le confort. Hier hebben we dan ook nog de USB en de 12-volt prise. Dit zijn ook nog sneltoetsen voor de menu die we hier hebben gezien. En dan knop voor terug te gaan en opties voor kleine opties aan te passen. Alors, le frein à main manuel qu'on a ici. Dès que vous êtes sur une monte ou une descente, c'est mieux de le mettre aussi, comme vous êtes alors plus en sécurité. Pour changer, vous avez toujours le bouton Unlock derrière, ici, pour changer en arrière ou en drive. Van zodra dat de wagen in parking staat, in P, gaat de wagen ook geparkeerd zijn. Maar dan, als u zegt van ik ben op een afdaling of op een afdaling of voor omhoog te gaan, kan u beter ook de handmatige handrem opzetten. Aan de bovenkant bevindt zich alles in verband met de lichten aan de binnenkant, zowel het linkerlicht als het rechterlicht, of het aanpassen van de kleur van de interieurverlichting. Zoals u dan kan zien, bijvoorbeeld hier de lichtjes aan de deur, die worden dan veranderd van kleur. Voor iedereen wat wils. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé les explications de votre véhicule. Dan hoop ik u op maandag 31 mei te mogen welkomen bij ons in ons concessie te Jette voor verdere uitleg en het bekijken van jullie nieuwe prachtige wagens.